Samedi 18 décembre, le Daily Mail a révélé que le prince Edward n'aurait pas été vu depuis au moins 4 mois dans les écuries de Windsor. Le quatrième et dernier enfant de la reine Elisabeth II et du prince Philippe était pourtant un habitué des lieux et passait jusqu'à présent beaucoup de temps à cheval. Cette absence aurait un lien avec son frère, le prince Andrew. En effet, le prince Andrew se trouve actuellement au cœur d'une affaire judiciaire. Il fait l'objet d'une plainte de viol, déposée par Virginia Roberts aux États-Unis. Selon une source proche des Wessex, Edward ne pense pas qu'il soit sage d'être vu n'importe où près d'Andrew pour le moment et il n'a certainement rien à lui dire à propos de l'affaire. Cependant, une source du palais aurait insisté sur le fait que le comte de Wessex est trop occupé pour monter à cheval et que les relations avec son frère sont bonnes. Lady Louise Windsor ne se rendrait que très occasionnellement aux écuries. La fille aînée du prince Edward et de Sophie Rhys Jones, aujourd'hui âgée de 18 ans, aurait fait le même choix que son père. Selon le Daily Mail, Lady Louise, qui est une cavalière talentueuse, n'a été vue que très occasionnellement en train de monter à cheval à Windsor. Selon le journal britannique, une source à Windsor Great Park aurait déclaré, « Il ne s'est passé qu'un week-end au cours des dernières années où vous n'avez pas vu Edward et Lady Louise à cheval, mais plus maintenant. » La famille royale britannique pourrait rester à l'écart du prince Andrew, qui monte presque tous les jours à cheval, le temps qu'il soit auditionné par la justice américaine, dans le courant de l'année 2022. Loading Widget.